fait maintenant? Voilà. Que fait-on? On fait simplement une nouvelle constitution. La nouvelle constitution, ça on est tous d'accord, enfin on est tous d'accord, c'est ce qu'on pense, c'est dans le programme. Les gens qui seront tirés au sort et les gens qui seront élus par référendum pour la constitution ne pourront pas se présenter à une élection, quelle qu'elle soit, pendant deux mandats. Donc ce n'est pas des carriéristes qui vont participer. Voilà, c'est simplement pour répondre à la question. Tous pareils, c'est ce qu'on nous dit sur les marchés quand on distribue des tracts. On nous dit, tous les politiques, donc les gens qui participeront à la Constitution seront des élus par référendum et des gens tirés au sort. Et pendant deux mandats, donc du mandat de 5 ans, 6 ans, là, ils ne pourront plus se présenter à des élections. C'est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça. Alors, c'est un programme des Insoumis, plus que de Jean-Luc Mélenchon. Bah, si le programme des Insoumis, c'est pas la même chose. Le programme que. C'est le programme des Insoumis. Voilà. C'est pas le programme de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il le porte. C'est le seul moment politique pour lequel je corrigerai un petit propos. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez. Moi, je faisais la transition avec l'avenir. Est-ce que vous avez des éléments de réflexion sur cette question de la constituante? Comment est-ce qu'on construit une nouvelle constitution? Je t'en prie. Moi, j'avais juste un petit truc, un petit élément à porter à la nécessité de changer la constitution. À l'heure actuelle, moi, je considère que l'Assemblée nationale, c'est 577 politiques locales qui servent à faire une politique nationale. Mmh. On voit que les choses ont changé depuis. Hein. On parle du peuple breton, du peuple basque, du peuple corse, pas du peuple lorrain. Peuple alsacien. Donc on voit qu'il y a même des choses qui changent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là vous avez tous un gros problème, c'est la saturation de la 30 et de la 31 qui vient du Luxembourg. Moi j'ai regardé ça de loin, parce que ça a commencé quand j'étais encore un peu dans le nord, à Cambrai. On commence à parler de ça, et je vois que nos élus ont trouvé comme seule solution de fabriquer un nouvel morceau d'autoroute qui fait polémique parce qu'il va traverser le jardin de machin. Et l'autre d'à côté, il est content parce que c'est pas son jardin. Et voilà. Alors moi, ce que je me disais, si on avait eu un apport citoyen, on aurait pu réfléchir en termes de travail, parce que là, on va construire une dérivation. J'ai regardé le plan de la dérivation, il ne va pas résoudre le problème à Metz. Hein. Je vous rassure, moi j'habite Metz, on aura le même problème. Et donc, on se dit, alors, moi ce que je voudrais faire, c'est un distinguo entre la politique nationale, c'est-à-dire qu'il va toucher tous les peuples de la nation française, y compris les dom-toms, enfin, on dit plus dom-toms, on dit comme Rome, les choses-là. Mais par contre, ce que je pourrais dire, moi, en tant que citoyen de Metz, même si je n'ai pas un vrai rapport avec ce problème d'autoroute de saturation au niveau de Thionville, je pourrais peut-être aussi, ponctuellement, apporter un soutien ou une idée avec des gens qui sont concernés. Par exemple, moi, je n'ai pas entendu parler du ferroutage. Je suis désolé, dans les propositions qui ont été faites, moi j'ai lu Républicain Lorrain, c'est un journal engagé, mais je n'ai pas vu une seule fois évoquer le ferroutage. Alors qu'il y a une société qui existe à l'heure actuelle, bon elle est peut-être privée, mais elle travaille avec la SNCF, ça, mais, donc fabriquer une autoroute, c'est bien, c'est une idée locale, c'est pour faire plaisir à Bouygues ou à je ne sais trop qui, ou à Vivendi, je ne sais pas quoi. Mais ça va lui donner du boulot pendant 6 mois. Alors que le ferroutage, si on augmente la capacité de ferroutage Luxembourg-Perpignan, on a donné du boulot pour 20 ans, 30 ans. Et puis l'autoroute est désengorgée. Et l'autoroute est désengorgée, au moins des camions. Au moins des camions, mais c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Juste une chose. Hein. Là, attendez. Je rectifie quand même. Non. Parce que le ferroutage, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Ouais, et à chaque campagne électorale, en ce qui me concerne, je l'ai mis sur mon programme, à chaque fois. Ouais. Et le ferroutage, effectivement, tu as entièrement raison, parce que le gros problème de la 31, c'est les camions qui viennent du nord au sud, qui traversent du nord au sud, du sud au nord, qui n'apportent rien économiquement, qui ne nous apportent que des déboires. Et en plus, les frais sur l'autoroute, c'est à nous contribuables de les payer. Donc effectivement, il faut sortir de là. Et derrière la 31 bis, et le problème de la 31, du doublement ou triplement, comme tu veux, tu peux l'appeler comme tu veux, derrière ça, on est quand même en train d'étudier le problème du transport collectif en site propre, qui permettrait justement, non pas d'avoir des voitures, que des voitures sur l'autoroute, mais d'avoir des bus. Serge, si tu permets, j'aimerais bien qu'on revienne au sujet.
c'est pas, c'en est un autre. Il est important, mais s'il faut dire les choses, on finira par tout dire et puis on travaillera pas. On a quelque chose. Enfin, on s'est engagé ensemble à essayer de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait demain faire que les choses elles soient autrement. Et comment est-ce qu'on la voit? Alors, Jean-Luc a rappelé comment cette constituante elle pourrait être construite, hein, à partir d'une assemblée élue par référendum. Élu pour partie par référendum. Et en tirage au sort. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que ça vous semble... Ou est-ce que ça vous laisse un petit peu indifférent? Je comprends pas. C'est-à-dire que le tirage au sort qui me pose problème. Attends, il y a Gilles qui veut répondre. Je voulais apporter la précision sur la question du tirage au sort. En fait, il s'agit de définir, lorsqu'on va voter... l'Assemblée constituante, quand on va désigner, je veux dire, les candidats pour être député de l'Assemblée constituante, il y aura un carton de vote pour le tirage au sort. Et c'est au résultat qu'on pourra définir le pourcentage, en fait, de citoyens qui seront tirés au sort. Et donc, ça sera, en fait, le peuple qui décidera combien il y a de gens qui seront tirés au sort. Oui, en fait, le tirage au sort, c'est un peu comme pour les jurys criminels. On prend un numéro sur la liste électorale. Celui qui tire au sort, il fera partie de la constituante. C'est ça. Qui va venir? Ça peut être tous les citoyens. Ça peut être n'importe qui. C'est les citoyens en âge de... C'est-à-dire que la proportion de tirer au sort dépendra du vote, du nombre de... D'accord. Attendez, je reviens au même problème. Je suis italienne. Oui. Donc je ne pourrais voter qu'au municipal. Donc en tant que citoyenne, eh ben, je ne peux pas. Oui. Je ne pourrais pas. Et j'ai bien posé la question à monsieur Jean-Luc Mélenchon. Je lui ai posé la question. Il me dit, madame, vous avez les prud'homales. Je dis, ben, ce n'est pas une réponse. Je suis désolée. Voilà, donc tu regrettes de ne pas pouvoir participer à la construction de cette constitution. Tout à fait, parce que ça fait 30 ans que j'attends. Hein. Ça fait 30 ans que j'attends qu'on dit, bon, ne serait-ce que nous, Européens, qu'on nous donne le droit de vote. En leur municipal, c'est déjà une bonne chose, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi qu'au municipal? Donc j'espère qu'avec la 6e République, si, mon Dieu, ça sera fait, mais qu'on nous donne un peu plus. Parce que bon, on est citoyens. Autant que les autres, quoi. Peut-être Adrien pour... Et puis Jean-Luc. Adrien, je suis italienne. On est d'accord, tu reçois les papiers. S'il te plaît, il y a Adrien qui voulait intervenir. Qu'on soit d'accord ou pas, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je vais dire. Le principe, c'est de donner au peuple le pouvoir de s'autodéterminer. Donc au peuple français, pour la Constitution. Hein, je parle. Après, donner le droit de vote aux élections, même à tous les niveaux, aux étrangers, moi je suis pas contre. Actuellement, en tout cas, faire participer les étrangers à la Constituante, c'est pas dans le programme. Et les deux idées se défendent quelque part. Ça peut être éventuellement un apport pour la constituante, de faire voter les étrangers ou les autres. Mais il y a personne qui en parle, Jean-Luc Mélenchon, il en parle pas, hein, je suis désolé. C'est-à-dire une constituante. Oui, vas-y. Attendez, écoutez Jean-Luc et Pierre Pusson de la parole, d'accord? Une constituante, c'est la haute autorité de l'État français. Oui. Alors, effectivement, ça, maintenant, dans la constituante, dans la nouvelle constitution, eh bien. Il y aura des gens comme toi, comme moi, et qui vont dire, mais tiens, les étrangers peuvent peut-être voter aussi pour les présidentielles, pour les législatives, pour... Et ça sera une proposition parmi, à mon avis, mille autres. Ça fait 30 ans, je vais dire. Bah oui, mais et c'est la première fois... Non, excuse-moi. Mais à un moment donné, il faut créer une structure légale, qui s'appelle la Constitution, pour que les gens puissent donner leur avis. Et une fois qu'ils auront donné leur avis, c'est la constituante qui donnera
Oui, bah d'accord, oui. Voilà, c'est, comme il dit Adrien, c'est le pouvoir des citoyens qui vont décider si effectivement. Je l'espère. Voilà. Je l'espère. Parce que là, dans tous les candidats, autant dans le temps, on en parlait, hein, il y avait un projet de loi là-dessus. Là, cette année, on n'entend rien. Hein. Alors, ça va pas faire plaisir, mais... Avec la déchéance de nationalité, ça a eu... Marie, s'il te plaît, parlez pas juste... Jean-Luc, attends, s'il te plaît. Il y a peut-être un correctif qu'apporte Gilles, et ensuite je te donne la parole. Le droit de vote des étrangers aux élections, c'est quelque chose qui fait partie, en tout cas, du parti de gauche. J'imagine qu'au PCF, il y a cette... Voilà, c'est des choses qui sont complètement dans nos idées. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'ouvre sous la Ve République, c'est pas constitutionnel, hein, si je ne m'abstiens. Bon, après, je parle pas que pour moi, hein, parce que bon... Donc c'est quelque chose qui sera appliqué même avant qu'on ait notre 6e République écrite. C'est quelque chose qu'on pourra ouvrir, parce que moi, à titre personnel, je trouve incroyable que des contribuables qui n'ont pas la nationalité française, mais qui contribuent, qui participent à la richesse et qui rendent aussi de l'argent, ne puissent pas choisir leur représentant. Ça me paraît. Bon, alors. Mais là, on en revient aussi au statut de citoyenneté, maintenant. Donc c'est tout un débat assez. Parce que ce que vous disiez, vous parlez-vous, madame ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais juste pour madame. Non, mais. Non, madame, parle du ressortissant européen. Moi, je n'ai pas d'origine, mais je pourrais vous parler des Nord-Africains. Ils ne sont pas européens, ils n'ont même pas le droit de voter au municipal. Oui, c'est vrai. C'est la 5e République et l'Union européenne. Il y a un débat à avoir autour, en tout cas, autour de la citoyenneté. De la citoyenneté. De la citoyenneté du. Du résident qui n'est pas de nationalité française. Il y a un débat à avoir autour de cette question-là, dans le cadre peut-être de l'Assemblée constituante. Justement, par rapport à ça, par rapport à la Constitution, c'est pas possible d'avoir un pourcentage des participants à cette Assemblée constituante qui représente le pourcentage de citoyens étrangers et qui ferait partie de cette Assemblée constituante. Il serait élu par les étrangers, par référendum. Et comme ça, il y aurait un représentant, deux ou trois représentants, qui pourraient apporter son... Alors, il y aurait comme ça, dans la constituante, il y aurait, c'est un chiffre qui a été donné, environ 1000 délégués. Pour parti élu, pour parti tiré au sort. C'est ça ? Ouais. Et, et dans les 1000, toi, tu en verrais quelques-uns. Admettons que les étrangers en France représentent 10% de la population. Sur les 1000, ça ferait 100 qui seraient élus par référendum par les gens. De nationalité française. Voilà. Ou tirés au sort. Plutôt par référendum, ça permettrait même de pouvoir voter pour ce. Moi, je me sens frustrée. Je dis franchement, je me sens frustrée. C'est depuis que j'ai dit. De pouvoir Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est d'un avis différent, qui dit ben non, la constituante, elle doit être exclusivement réservée à des personnes de nationalité française qui pourront décider ensuite du droit de vote des personnes de nationalité étrangère ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ainsi? Je suis assez favorable à ça. Plutôt, parce que la citoyenneté française, elle est historique, quelque part. Et il y a une chose dont vous avez la chance, madame, c'est que, oui, c'est qu'en cas d'attaque de la France, on ne vous mobilisera pas pour aller défendre le pays. Et ça, moi, je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'en ai fait partie. Et donc ça, si vous voulez, le sacrifice suprême au nom de la patrie, c'est la Révolution qui nous l'a appris. Avant, on mourait pour un roi, pour un propre con, mais c'est quand même la Révolution qui nous a appris qu'on se sacrifiait pour la patrie. Donc, mais je ne suis pas opposé, en fait, je ne suis pas opposé aux votes locaux. Je n'y suis pas opposé. Mais au vote national, j'ai des réticences. Et pour participer à la Constituante ? Ça change, admettons, je vais être pratique, hein, dans mon métier, que j'ai exercé à l'extérieur de la France, j'ai pu constater combien de pays seraient intéressés d'influencer le fonctionnement de la France. Donc on peut le faire par des services secrets, et on peut le faire par une communauté.
mais par exemple, ma voisine... Mais je ne mets pas en doute votre... Non, non, mais ma voisine qui est naturalisée, un exemple, qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a du papier. Et elle a toute une histoire. Pourquoi vous n'avez jamais demandé les papiers français? Parce que j'ai voulu le faire en 79, et au tribunal, on m'a demandé que mon mari se fasse français aussi. Donc je disais non, je ne vais pas demander l'autorisation à mon mari. Et français. Donc je suis testée et par conviction, je suis testée. Alors, on va peut-être. Bon, c'est un sujet, on l'a à l'esprit. Est-ce qu'on peut maintenant peut-être aller vers d'autres problématiques? Adrien, mais je crois que tu voulais aussi intervenir sur le sujet de la constituante ou. Non, moi je parlais du tirage au sort, moi ça me pose problème. Je veux dire, on va tirer au sort, c'est bien. Dans un panel, effectivement, d'un hexagone, ça peut. Ça, tu vas retrouver de tout. Oui. C'est vu, n'est pas de bol, tu as 100 personnes qui vont faire autre chose que ce que tu attends. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je n'ai pas de. C'est parti. En 1917, c'est ce qui s'est passé en Russie. C'est délicat, quand même. Et puis, en 1917, ça peut arriver. Alors, est-ce qu'il y a des garde-fous contre ce risque-là? Jean, Giovanni, je voulais te dire que ce document, l'avenir en commun, il a été édité, enfin créé, amendé, exactement dans ce système-là, avec des gens qui ont été candidats et donc élus, et aussi par des gens tirés au sort, une fraction. Ouais. Et donc le résultat, ça a été un super travail de mise en commun, et les gens se sont sentis... Enfin, bien sûr, les gens qui ont été tirés au sort, ils ont été volontaires, ils étaient libres de refuser, et donc on faisait un autre tirage au sort. Mais du coup, ça a impliqué des gens qui se sont sentis... Alors, est-ce qu'on peut penser que ce sera aussi des volontaires qui seront inscrits dans l'Assemblée constituante? Ou est-ce que ça sera obligatoire? Par rapport au tirage au sort? Ouais. Je pense que ça sera sur le même principe que le tirage au sort des jurys. Ça pourrait être refusé. Ça pourrait être refusé. Voilà. Si une personne refuse Alors, il y a la jeunesse, on va l'écouter parce que nous, on n'a plus grand-chose à dire. Allez-y. Alors. En fait, j'ai un problème justement avec ce tirage au sort. C'est pas grave, moi je suis tiré au sort. Oui. Si c'est obligatoire, on me dit que tu dois aller à la caution. Je ne suis pas prêt, personnellement, je ne sais pas ce que je vais faire là-bas. Est-ce que du coup, il y aura une préparation avant ce tirage au sort? Est-ce que les citoyens qui sont censés devoir représenter, qui se retirent au sort, est-ce qu'il y aura une préparation comme ça a pu se passer par exemple pendant la Révolution? Quand les gens sont remontés à Paris, ils sont revenus avec des idées. Les gens se sont dit, toi tu vas nous représenter à Paris, mais on a ces idées-là que tu dois faire remonter à Paris. Et c'est la question que je me pose, c'est est-ce que ce tirage au sort, s'il est obligatoire, est-ce qu'on aura quand même le temps de se préparer avant d'aller à la conseil de la situation? Ah, est-ce qu'on aura le temps de se préparer? Et c'est une grande question. Adrien. Alors, pour répondre à cette question-là, moi j'avais posé la question à Charlotte Girard quand elle est passée à Briey. Donc lui, il est prévu qu'il y ait une formation théorique constitutionnelle de l'Assemblée. Alors, elle est maître de conférence en droit constitutionnel. Elle estime qu'en quelques semaines, c'est suffisant pour avoir les outils. Bon, t'as pas une connaissance absolue, mais au moins pour avoir les outils pour pouvoir réfléchir sur le sujet. Donc une fois qu'on sera tiré au sort, on aura cette formation. C'est ça. Je crois pas qu'il faut avoir des craintes là-dessus. Parce que dans une assemblée constituante, parce que avant nous, il y a eu une constituante en 1789, hein, et ils n'étaient pas tous issus de ceux qui avaient le savoir. Ouais, ils étaient quasiment tous avocats. Hein. Mais oui. Dans le cadre d'une constituante, ce qu'il y a, c'est qu'il y a certainement des gens qui vont apporter des choses, mais chacun vient avec son identité propre à lui, et là, comme tu viens de l'exprimer, il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Et c'est le but d'une constituante, c'est que chacun vient avec ses propres idées. Il n'a pas besoin d'être formé ou d'être formaté
sur ce qui pourrait être dit dans cette constituante. Il faut venir en tant qu'individu et parler, je dirais, avec son cœur, c'est d'arriver, qu'est-ce qui sera mieux demain pour que le peuple français avance. Alors pour revenir simplement sur le problème des cumuls de mandats et tout ça, demain, le jour où on prendra un vote, ne serait-ce que parlement, à la proportionnelle intégrale, on n'aura plus ce problème. On n'aura plus ce problème de cumul de mandats, de prendre celui qui est le plus connu dans le coin, parce qu'on sait qu'il va faire le plus de voix, parce que derrière ça, derrière les voix, il y a aussi le remboursement des trucs, de la campagne, il y a aussi le fonctionnement des partis, il y a tout ça. On n'aura plus ce problème-là, parce que, justement, ce sera une liste, et la liste, quel que soit le pourcentage qu'elle fera, il y aura des élus. Et c'est pour ça qu'il faut changer, il faut changer tout ça. Bon, enfin, la 6ème République, avec justement sortir de ce pouvoir monarchie présidentielle, mais aussi le problème de l'Assemblée nationale, où il faut que chacun soit représenté en tant que tel. Et pourquoi pas demain, les anarchistes, s'il y en a ici, je ne crois pas qu'ils viendraient. Alors, tous les deux, justement, parce que je crois savoir, si je ne me trompe pas, je parle sous le couvert, c'est que dans son programme, Jean-Luc Mélenchon a déjà une idée claire de ce que lui voudrait, enfin, Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, les Insoumis, ont une idée claire de ce que la 6ème République devrait être. Est-ce que justement ce sera une base de travail sur laquelle cette constitution ne devra travailler, ou est-ce que les citoyens devront venir avec leurs propres idées en se disant « nous on veut ça ». Ça, ça nous intéresse. C'est, on part de c'est rien. La question que moi je me pose. On en part fait. De rien. En fait, c'est là que c'est un pari humaniste. Il faut être clair. Le programme fait des propositions. Les gens qui font partie de la France Insoumise vont faire des propositions pour cette 6ème République. Mais l'objectif avant tout, c'est de donner, alors j'aime pas dire redonner, parce que je pense pas que le peuple n'ait jamais eu le pouvoir en France, réellement, mais de donner réellement le pouvoir au peuple, cette fois. Donc, non, la 6ème République, elle n'est pas là-dedans. Il y aura peut-être des bouts de ça, mais il n'y aura pas plus que des bouts. À moins qu'on réussisse à convaincre tout le monde. Et de toute façon, ça serait pas bon que seul ce programme soit pris en compte pour faire cette république, parce que déjà personne, même une collectivité, ne peut penser à tout, et si on veut que la constitution soit juste, il faut qu'elle soit représentative de tout le peuple, et même si ça peut faire mal de le dire, il faut qu'elle soit autant représentative de quelqu'un qui va voter Front National demain, que de quelqu'un qui va voter Poutou, que Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc, c'est un risque. C'est comme la proportionnelle. La proportionnelle, c'est un risque. C'est le risque de devoir d'avoir des partis avec lesquels on n'est pas forcément d'accord au niveau de l'éthique. C'est le pari qui est fait. Moi, c'est une des raisons principales pour laquelle je rejoins le mouvement, parce que ce pari-là est fait. D'accord. Mais c'est juste simplement, je pense que beaucoup de gens qui vont aller là-bas s'attendent à ce qu'il y ait quand même un socle de discussion qui ensuite pourra évoluer en fonction des idées. Moi j'apporterai les miennes, admettons, un tel apportera les siennes, etc. Je pense que cette idée de socle est quand même importante et je pense qu'elle est vraiment dans l'esprit des gens, c'est qu'il faudrait peut-être vraiment une base de travail en gros. C'est ça que je demande, c'est simplement ça. Alors il y aura sans doute une méthode, mais et plusieurs contenus qui existent déjà, qui seront proposés, exposés, c'est peut-être ça. Il y a plusieurs contenus qui pourraient être proposés par les partis. Moi, ce que je voulais demander, justement, comme c'est un projet humaniste, est-ce qu'on garde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en préambule et en base de la Constitution? Alors, moi, personnellement, j'ai un même problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1793, le droit au bonheur collectif était inscrit dans la Constitution et qu'il a disparu. Donc moi, personnellement, je serais pour l'ajouter et en gardant en préambule les droits de l'homme. Maintenant, ça sera à l'Assemblée constituante de décider cela. L'Assemblée constituante va se réunir, ils vont désigner, je suppose, un rapporteur, ils vont eux-mêmes construire la façon dont ils vont travailler.
ça, ce sera leur travail. Mais sans oublier que ce qui est prévu, c'est de prévoir. Je suis désolé, je suis un peu meilleur. C'est. La constituante va écrire et va rédiger le projet. Mais elle ne va pas le faire seule dans une pièce capitonnée, coupée du monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir des travailleurs qui vont venir apporter des idées, il va y avoir des avocats, il va y avoir des systèmes mis en place. Et grâce à la technologie aujourd'hui, on peut le faire assez facilement. Moi, j'espère personnellement qu'il y aura organisé dans chaque mairie effectivement de la rédaction de cahiers de doléances, pour revenir à 89, de cahiers électroniques de doléances. Et même si c'est eux qui vont l'écrire, ça sera à tout le pays de participer à cela. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout, moi je suis attachée à ça, à cette base de droit universel humain. Moi aussi. Qui pour moi me semble incontournable. Si vous voulez, c'est un socle que je ne peux pas dépasser. Enfin, que je peux dépasser, je peux en rajouter, Mais c'est vraiment le socle qui doit fonder ça. Parce qu'autrement, ça peut devenir tout n'importe quoi. Regardez la peine de mort, admettons. On dit les citoyens vont s'engager. Par exemple, il y aura un moment où on peut dire les citoyens interviennent pour changer les lois. Admettons, on prend 500 000, 600 000 citoyens qui se fédèrent et envoient une pétition en demandant on remet la peine de mort. Ah non. Alors, c'est pas exactement ce qui est dit à propos des pétitions pour changer les lois. Ouais. En fait, ce qui est dit, c'est que si un certain nombre de citoyens demandent le changement d'une loi, le processus pour la changer est engagé. C'est pas un changement. Donc après, ça passe par un référendum. Mais là, il faudrait bloquer, je veux dire, parce que c'est plus humaniste. C'est à ça que c'est une constitution. Parce que des moyens de bloquer. Ce qu'il faut bien comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réelle différence entre un texte qui est dans une constitution ou un texte qui est simplement dans le code civil. La différence, c'est la hiérarchie. Ce qui est dans la constitution ne peut pas être entravé ni contredit par le législatif. Donc si on met le droit à disposer de son corps, l'interdiction de la peine de mort dans la constitution, on protège ce socle, qui plus qu'un socle humaniste, pour moi, est l'identité de la France à l'heure actuelle, depuis 1789. Pas depuis Voltaire. Donc, oui, moi je dirais, il faut mettre tout ça dans la constitution. Maintenant, peut-être je serai tiré au sort et voilà. Voilà. Mais... Non mais là, il y a une crainte quand même. C'est ce que je crains. Il y a une terrible appréhension quelque part, il faut faire le pas de se dire, regardez, on est à Yange, une petite ville, on est une trentaine de personnes, depuis 1h30, 2h, tout le monde discute, j'espère en bonne entente, enfin en tout cas j'en ai l'impression. Si vous allez à Metz, vous voyez qu'il y a plein de mouvements citoyens qui sont créés pour aider les réfugiés qui sont encore maintenant à Blida. Il faut faire confiance. C'est dur, c'est extrêmement difficile, mais on est dans un moment, je pense, de l'histoire, où si on n'accepte pas de faire confiance à la collectivité, on n'avancera plus. C'est là que je partage, je suis cette crainte. Ouais. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre, pour compléter un petit peu ce que disait Pierre, et ce que tu disais toi, il y a quand même quelque chose qui est assez difficile, c'est que quand on relit la Constitution, même la 5e, quand on la lit et quand on voit les lois qui viennent derrière, on se dit comment ils en sont arrivés, comment on arrive à dire que quelque chose est anticonstitutionnel quand ça n'est pas clairement marqué. Vous avez déjà lu la Constitution, certainement, vous voyez, ce sont des grandes phrases. Et de ces grandes phrases, des juristes en ont déduit que... Alors quand, par exemple, moi, il y a un piège dans lequel je ne voudrais pas tomber, c'est quand on dit du droit à disposer de son corps. J'ai bien compris que l'idée, c'est protéger les droits de la femme en matière d'IVG. Mais si j'entends le droit à disposer de son corps, qu'est-ce qui empêche mon épouse d'être une mère porteuse, puisqu'elle dispose de son corps? Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra peut-être qu'on soit un peu plus aidé par des juristes, dans le cas de cette rédaction,
pour se dire, ben voilà, il y a des dérives dont on ne veut pas. On ne voudra jamais. Moi, je suis personnellement, enfin, je suis pas favorable à la GPA monétisée, parce que je pense que derrière, il y a des intérêts financiers puissants qui vont... alors, ça, là-dessus, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que j'ai servi cette nation. Il y a un truc, donc les gens oublient, la plupart d'entre nous oublient, c'est que le don gratuit dans ce pays, c'est pas rien. Dans ce pays, rappelez-vous qu'il y a des fonctionnaires qui vont dans les Alpes sauver des alpinistes et on ne leur demande pas un rond, même s'ils sont étrangers. Ça, c'est une particularité de la France qui est actuellement combattue par des lobbyistes financiers qui veulent que tout soit payant. Certains, peut-être un jour, vous demanderont de vendre votre sang, de vendre votre rein. Donc, le droit à disposer de son corps, il faudra qu'il y ait des juristes. Mais de toute façon, il faudra que la constituante soit assistée, effectivement, par des constitutionnalistes ou des juristes, des professionnels, ouais. Mais qui n'auront pas de pouvoir de décision, mais qui auront un devoir de conseil. Tout à fait. Je suis d'accord là-dessus. De toute façon, on ne s'improvise pas. On sait bien que le simple citoyen ne va pas nous sortir. On va pas sortir un grand principe. Moi, je pense qu'on peut être surpris. Oui, on peut. Mais le résumer en une phrase. Ah oui, là, j'y crois pas. C'est pour ça qu'ils seront 1000. Pas tout de suite. Comme ça, il y aura 1000 phrases. En tout cas. Alors, peut-être en gros, ne pas le faire, si je reprends ce que disait Rien, ne pas faire ce travail, ça ne nous protège vraisemblablement de rien, et prendre le risque de le faire, ça peut nous ouvrir des horizons prometteurs. On n'en est pas sûr, mais c'est pas impossible. C'est opposer l'homme providentiel de la 5e République à la collectivité de la 6e. Et plus l'homme providentiel, c'est l'intelligence collective qui doit prévaloir. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette assemblée constituante? On sent bien les appréhensions. Ça reste un truc un peu flou. Je t'en prie. Je voudrais préciser un point, parce que bon, j'ai assisté à la même réunion qu'Adrien a brillé avec Charlotte Girard. Et les groupes avaient soulevé un point, à savoir qu'il est fondamental que le travail de la constituante soit constamment contrôlé au fur et à mesure de l'élaboration du processus de rédaction de la Constitution. Alors ça va être une lourde machine, tout ça. Donc, c'est pour ça que le temps estimé est de 2 ans, mais c'est pas sûr que ça se porte. Et parce que ça veut dire, il serait quand même ballot qu'au bout de 2 ans, on vienne avec un projet de constitution qui corresponde finalement pas à ce qui était attendu, qui soit éventuellement refusé par référendum à une majorité de 75%, je caricature. Donc, si on veut rester fidèle aux options qu'on défend, il faut prévoir, avec la technologie qui existe, et ce sera quand même assez difficile, une manière de rendre compte comment, par qui, à qui, selon quelle légitimité, pour dire là vous êtes sur la bonne voie, là vous êtes à côté de la bonne voie, mais pas loin, et puis là, ça... Il faut que ça devienne un débat national, voilà. Il ne faut pas que ça s'arrête au bureau. Voilà. Et ça me fait rebondir sur ce qui avait dit tout à l'heure sur le citoyen acteur. Il faudra trouver le moyen pour que le citoyen soit régulièrement informé de l'avancée des travaux de la constituante et puisse donner son avis à ce moment-là, et pas au bout des 2 ans, et pas au bout d'un an, il faudra que ce soit du rotatif. Bon, sinon ça ne marchera pas. C'est un gros boulot. C'est un gros boulot. J'ai juste une question. Les gens qui se retirent au sort resteront dans la constitution pendant ces 2 ans, ou est-ce qu'il y aura des renouvellements? Ils jureront de se séparer que lorsqu'ils auront donné pour la France. Une nuit, alors. Une nuit. Et il y a des volontaires pour les baïonnettes autour. Les anciens militaires qu'on a. Alors, historiquement, ils étaient entourés de baïonnettes.
Donc oui, le... mais par contre, il sera. Bah, ça reste à prévoir, mais ils ont dit, enfin, pas moi, enfin, le mouvement a déjà commencé à penser. Il faudra aussi assurer à ces gens qui sont tirés au sort un retour à leur emploi après. Il y aura des précautions de prise aussi pour ces gens qui vont. Effectivement, ça sera aussi. Enfin, c'est une aventure formidable à vivre, mais ça veut dire aller à Paris régulièrement. Enfin, oui. Moi, je ne parle pas au-delà du salaire, du travail, ça limite. Ah, c'est, pour moi, c'est secondaire, parce que c'est quand même quelque chose d'historique qui peut se passer. Mais c'est justement ce poids de l'événement historique qui risque, pour certains, d'être trop du lourd à porter pendant deux ans. Bah, c'est pour ça qu'on légalise le cannabis. Est-ce que ça sera plus lourd à porter que la responsabilité qu'avait un jury d'assises de décider ou non de la peine de mort de quelqu'un? C'est pareil. Ça sera au moins aussi, ça sera peut-être pour aussi moi, ça sera pareil. C'est de même nature. Sachant que les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Oui. Je sais pas, parce que le juriste est formé. Le jury d'assises, c'était des gens tirés au sort. Ah, les jurys d'assises? Oui. Ils avaient à décider de ce qu'il y a de pire. Même encore maintenant, il y a quelque chose d'aussi pire comme peine capitale, c'est la réclusion à perpétuité. Oui. C'est la mort en prison. Et ça reste aussi terrible. Oui. Ça, j'aimerais bien que ça rentre aussi dans la Constitution pour qu'on évite la peine capitale, par exemple. La nouvelle peine capitale qui est la perpétuité, oui. Par exemple. Mais bon, ça c'est un élément peut-être du texte, mais pour sa rédaction, effectivement c'est une grosse responsabilité, tu as raison de le signaler, et elle... Moi je suis très touché par... Et je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas, peut-être moi si j'y arrive, au bout d'un moment je peux plus suivre, je n'ai plus les possibilités, oui peut-être aussi. Je ne sais pas si ça a été évoqué, mais j'ose espérer qu'il y aura des solutions de remplacement. Alors, ils ont beaucoup discuté avant de faire la proposition avec des types tunisiens qui ont fait une constituante dans leur pays. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée du tirage au sort, parce que ce qui a été remonté, c'est qu'ils regrettaient de ne pas avoir eu un échantillon participant directement aux délibérations. Donc, il y aura forcément des ajustements en cours de route, il y aura peut-être des gens qui vont décéder. Donc il y aura sûrement un système de renouvellement aussi à un moment ou à un autre, forcément. Et je crois que Claire voulait parler. Oui, finalement, je sais que vous avez eu le cas de mon intervention. Parce que cette idée, effectivement. Jean-Luc, oui, vas-y. Cette idée, effectivement, de la constitution, de la constituante. Effectivement, ils se sont beaucoup inspirés de ce qui est passé en Tunisie. Et ils ont aussi, exactement, ils ont essayé de faire ce qui n'allait pas en Tunisie. Ça a marché, mais avec ce qui n'a pas marché. Tout simplement de dire qu'en Tunisie, c'est que des élus. C'est ma mère, elle m'a dit vous passez. Mais c'est qui, je ne sais pas les termes exacts de ce qu'ils ont là-bas. C'est eux qui ont décidé de la nouvelle constitution. Et la personne, une des personnes avec qui ils ont discuté pour expliquer ce qu'on a dit, ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, ça marche moins bien. Parce qu'on n'a que des élus. Donc c'est des gens qui seront réélus après. Donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, les gens qui participeront à la constitution. Eh bien, on ne pourra pas avoir un mandat pendant deux mandats, une élection pendant deux mandats. Quoi. Donc c'est ce qui se passe ailleurs qui fait que le programme a été amélioré. Ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait donner ici quelques éléments des propositions des Insoumis sur le contenu de la constituante? Alors, je sais pas, Claire, peut-être, tu avais un élément dans la constituante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait figurer, que tu pourrais présenter? Je
Non, je sais pas. C'est moi. C'était toi, pardon. Ouais, c'était moi. En fait, dans la constituante, dans le programme pour l'inscrire dedans, c'est tout ce qui a rapport, comme on a dit avant, au droit de son corps. Donc ça part la GPA, toutes des discussions, des cadrages, tout ça, la prostitution, les libertés de conscience, les droits à la contraception, l'IVG, le droit de mourir dans la dignité, et aussi l'accès garanti aux soins palliatifs. Donc après tout ça, c'est des choses à cadrer, le suicide assisté. Donc après c'est engager les discussions et faire inscrire des choses pour que ce soit dans la constituante et plus seulement des lois, pour que ce soit, comme avant on a dit, au-dessus quoi, et qu'on n'y touche plus. Après c'est des débats, hein, toujours. Ouais. Est-ce que c'est des choses qui vous posent problème ou vous voudriez questionner, ou est-ce que vous trouvez ça plutôt bien, enfin, qu'est-ce que vous avez à dire de ça, que dans la constitution, cette proposition qui examinera la constituante, elle soit retenue ou examinée, ça vous choque? Non. Mais il y a des problèmes. Enfin, on touche des problèmes plus sociétaux, hein, modernes, plus modernes, que les anciens de 1789 n'avaient pas pensé. Ils n'avaient même pas pensé aux droits de vote des femmes, hein, à l'époque. Pas l'oublier non plus. Et il y a des choses. Ouais. Enfin, moi, je crois qu'il y aura des. Oui, il y a des choses qu'il faudra figer dans le béton. Il y aura des choses qu'il faudra figer dans le béton. Le droit des femmes, enfin, c'est un truc qu'on a rajouté après, hein, comme si les droits de l'homme étaient insuffisants, le droit de l'homme avec un grand H, était insuffisant pour qu'on y rajoute le droit des femmes, puis après le droit des enfants. Moi je pense qu'il y a des choses qu'il faut fixer dans la Constitution. Ouais. C'est pas. Je pense que dans le monde ça existe déjà. Il y a la règle verte, je crois aussi. Qu'est-ce qu'il y a, hein, c'est ça? La règle verte, c'est pas très clair pour Julie. Qu'est-ce qui peut donner un éclairage à Julie sur la règle verte? Voilà, on ne prend pas la tort qu'elle peut faire. C'est pas, ça ne te suffit pas quand vous faites. Bah moi, je me dis si demain j'ai une grande sécheresse ou quoi, comment ça se passe? Dans l'exploitation financière, il ne faut pas exploiter plus que ça. Bon, par exemple, quand on abatte des forêts, il ne se pose pas la question de replanter aux grands arbres qu'ils ont abattus. C'est un peu comme dans le temps où avant, il y avait déjà cher. Il y avait des champs qui étaient déjà chers. Il faut laisser le temps à la nature de reprendre. Alors, il me semble qu'il y a un indicateur là, actuellement qui dit qu'à telle date, on a épuisé déjà le. Enfin, on va en. En France, je pense que si au niveau national, c'est possible. C'est on peut être la surproduction, par exemple, éviter la surproduction, se retrouver avec des stocks, je ne sais plus quoi en faire. C'est aussi une façon de limiter l'industrialisation de la culture avec une production des pesticides, de l'agriculture. Je pense que tout ça. Jean-Luc, ouais, sur la règle verte. Alors sur la règle verte, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement favoriser l'agriculture bio, de donner de renégocier le traité européen. Ils sont d'accord, c'est bien. Ils ne sont pas d'accord, on le fait. En gros, ça confirme, en gros, c'est ça. En fait, je viens de donner les producteurs les aides européennes. Je préfère les donner aux agriculteurs qui font du bio. Deuxième chose, c'est de mettre 100% des cantines scolaires au bio. Ça, c'est la règle. Ça ne va pas se faire lundi matin. Voilà. Et c'est un projet sur quelques années. Hein. La troisième chose, c'est également les entreprises qui demandent des subventions au conseil régional, à l'État, aux mairies, enfin voilà, c'est qu'ils aient une règle verte, on l'appelle comme ça, en disant d'accord, maintenant il faut qu'il y ait dans cette entreprise-là le recyclage des déchets, il faut qu'il y ait
comment produire économiquement les fumées, les retraiter tout ça. Donc ça, c'est dans la règle verte. Et puis la dernière chose, c'est aussi de se dire, on est obligé d'appliquer cette règle verte. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Alors, moi, il n'y a pas de problème. Vous aurez un petit peu plus de problèmes, les jeunes. Petite jeune qui était là, elle aura encore plus de problèmes. Et ses enfants, eh ben, je ne sais pas, ils auront encore plus et plus de problèmes. Donc à un moment donné, la politique écologique, elle n'est pas, c'est pas parce qu'on est vert, qu'on est écolo, c'est de favoriser exactement tout ce genre, tout ce système pour imposer aux entreprises et aux agriculteurs de respecter en les aidant. C'est eux qu'on veut aider. C'est le marchand au marché de... voilà. Le maraîcher qui est au marché de l'Ayange, là. C'est lui qu'il faut aider. C'est pas les gros producteurs. Est-ce que vous voulez aussi peut-être réagir, je sais pas, à la question de le droit de vote à 16 ans ou des choses comme ça, parce que c'est proposé hein, par Insoumis pour le mettre dans la Constitution. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose question, le droit de vote à 16 ans? Ouais. Moi, c'est pas tout à fait le droit de vote à 16 ans, c'est là, je lis. Attends, c'est où? Le vote sera obligatoire. Ah. Le vote blanc sera reconnu. Alors, moi, demain, je vote pas, il m'arrive quoi? Je sais pas. Si tu participais à l'élaboration de la constituante, qu'est-ce que tu prévoirais? C'est toi qui décidera ce qui t'arriverait. Bah, donnez-moi de l'argent. Non, mais c'est vraiment une question parce que. Oui, ça n'est. Moi, c'est dans le principe. Mon cas, moi, c'est pas grave, j'assumerai, il n'y a pas de souci. Non, moi c'est dans le principe, le vote obligatoire, comment vous le défendez, comment vous le légitimez en fait? C'est ça surtout qui m'intéresse. Ouais, c'est... À la démocratie, tout simplement. Oui, est-ce que c'est obligé de s'inscrire, de voter, de voter, de s'impliquer? Attendez, c'est vraiment intéressant, il y a plusieurs points de vue. Donc, la question c'est le vote obligatoire, si vous êtes pour, comment est-ce que vous le justifiez, ce vote obligatoire? Moi, je dis que c'est démocratique, le vote obligatoire. Tu ne peux pas. Chaque citoyen doit donner son opinion, pour moi. Ça fait partie de la démocratie. Même si on n'ose pas ou quoi, il faut pouvoir le donner, même si ça peut être à titre anonyme. Pour moi, le vote, de toute façon, est anonyme. Même si le vote blanc, justement, peut être reconnu, bien sûr. Mais au moins, dire qu'on. C'est un devoir, un peu comme le service national. C'est comme ça que tu le justifies. C'est un devoir qu'on doit à la nation. Ça pose des problèmes assez contradictoires. Dans une constitution, on veut instaurer des libertés ultimes, ce qui est la liberté de décider de si on veut mourir ou continuer à vivre. On parle de liberté ultime, et là, on interdit à quelqu'un son choix de ne pas vouloir voter, de ne pas se sentir... Il peut voter blanc. C'est le fait de ne pas voter. Mais le geste de voter, c'est fort. Enfin, je pense, mon frère, le fait de voter pour lui, blanc ou même... c'est un geste compliqué pour lui, presque. Ouais, mais c'est pas s'exprimer, finalement, de la société que de refuser de voter. Est-ce que c'est pas plutôt une solution pour que les jeunes s'intéressent? Non, c'est pas ça. Comment vous interprétez cette proposition, l'obligation de vote, qui évidemment serait accompagnée d'une sanction? L'obligation de s'inscrire sur les listes électorales. Alors pour l'instant, il y a la question. Oui, on peut passer à côté en ne s'inscrivant pas sur la liste. Et c'est... Bah oui, tout à fait. Mais c'est un droit individuel. Dans tout groupe, alors que le groupe fasse 40 millions de personnes ou 10, il faut un moment ou un autre que le groupe prenne une décision. Même dans un couple, à deux. Comment ça se passe?
Alors, ça ne se manifeste pas forcément par un bulletin, dans un couple, en disant « moi, je vais aller ». Mais j'imagine que dans une micro-société de style anarchiste, l'anarchie, c'est pas le bordel, c'est l'absence de structure, de pouvoir, c'est pas pareil. Mais à un moment, il faut quand même prendre une décision. Alors, dans une microstructure anarchiste, quel que soit le terme employé, comment est prise une décision ? Comment est prise une décision ? Alors, bon, moi, hors de l'étiquette, hein, je suis, si j'étais anarchiste, je ne serais pas vraiment là. Non, mais hors de l'étiquette. Non, mais imaginons. Bon. Toute forme de vie collective, disons. Toute forme de vie collective suppose une forme d'expression de la décision des membres du groupe. Je vais prendre un exemple qui me concerne. Donc moi, il faut bien trouver quelque chose. Alors il y a peut-être mieux que le vote, ça j'en sais rien. Ah voilà. Mais enfin moi c'était vraiment sur le caractère obligatoire. Parce qu'en fait finalement là je pourrais vous donner une raison, mais finalement j'ai l'impression que l'argument que vous essayez de me tenir, c'est que au bout d'un moment, il faut quand même trancher. Et que ça suffirait à légitimer le vote obligatoire. Non, pas jusque-là. Je sais pas. Hein. Comment est-ce qu'on tranche ? Comment est-ce qu'on tranche ? Bah, alors peut-être à grande échelle, c'est ça que vous voulez dire ? Même déjà à petite échelle. Tout à l'heure, j'ai entendu un joli mot qui s'appelle l'autodétermination. L'autodétermination, in fine, ça veut dire que moi, je n'ai pas à vous imposer mon vote pour des décisions qui, in fine, peuvent être... Par exemple, moi, je suis à peu près ici à 30, donc on serait tout à fait d'accord, on serait tout à fait capable, plutôt, de se mettre d'accord par la simple discussion sans avoir nécessairement à trancher sur certaines choses. Moi, je sais pas, je travaille en périscolaire, par exemple. Je demande pas un vote pour savoir qu'est-ce qu'on va leur faire faire aux gosses aujourd'hui. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas caricaturer, mais c'est mine de rien, c'est un principe... J'avoue, c'est peut-être une autre conception de la démocratie que je pourrais confronter à celle que représente le vote, à savoir le libre accord de tout à chacun. Et surtout, le libre accord de tout à chacun, ça présuppose quoi ? Ça présuppose que si quelqu'un n'est pas d'accord, on va pas le forcer. Vous voyez ? C'est que, alors certes, la loi, je sais bien que dans un système républicain, la loi doit être la même pour tous, mais par exemple, tout à l'heure, vous disiez, c'est s'exclure de la société. Je ne sais pas si c'est ma volonté, en ne votant pas, de m'exclure de la société. Par contre, c'est la volonté de ne pas y participer telle qu'elle est faite maintenant. Je n'aime pas avoir un chef. Et je n'aime pas voter pour quelqu'un qui même se représenterait et serait censé me représenter. Je ne suis pas un chef. Par exemple, et c'est une question, c'est subjectif. Je considère que je prends ce droit de ne pas suivre un chef. Et je considère que oui, effectivement, m'obliger à voter, même blanc, dans un système qui est à ce point contraire à ce que je crois, je trouve ça presque violent, un petit peu. C'est pour ça que je posais cette question. Ça répond pas à la question que je pose. Comment fait-on dans un groupe pour décider ce que le groupe va faire, non pas l'individu dans le groupe, mais que va faire le groupe confronté à une situation X de danger, de... Est-ce qu'il y a peut-être des éléments de réponse et de réflexion, en tout cas, chez Claire, chez toi aussi ? Pour moi, ce ne serait pas obligatoire. Ah, d'accord, pour toi, ce ne serait pas obligatoire. Pour la solution. Juste, pour, comme c'est dans l'ordre, Claire et puis toi, d'accord ? Moi, je me demande si le fait de mettre le vote en tant qu'obligation, c'est pas un peu limité, quelque part, la définition de l'exercice d'un citoyen, quoi. Parce que quelqu'un qui s'engage dans des associations, quelqu'un qui partage son temps avec des enfants pour les éduquer, leur apprendre à réfléchir, est-ce que ça pourrait pas être une sorte de dérogation ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que... rendre le vote obligatoire, on a l'impression, c'est bien sûr, je prends la mesure hein, de l'acte, mais je me demande, est-ce que c'est vraiment que ça ? Est-ce qu'on pourrait réduire qu'à ça, finalement ? Est-ce qu'on n'attend pas plutôt un engagement plus large et de différentes formes, être reconnu dans ce sens-là, et qui serait peut-être plus constructif et qui inclurait davantage plus de monde ? Je ne sais pas. Sinon, si on vote pas, si on fait pas l'effort de voter, on est sans avis. C'est comme lorsqu'on se déclare pas non donneur d'organes, on peut nous prendre notre organe. Donc il suffit de dire que cette personne manifeste son mécontentement en n'allant pas voter, elle est sans avis, elle vote blanc. Donc par conséquent, on pourrait prendre en compte, même si c'est une violence
le fait d'aller voter, la personne qui émet un choix de ne pas être confrontée à cet acte citoyen, son avis serait quand même pris en compte parce qu'il ne se déplacerait pas du même ressort que si on ne se déclare pas non donneur d'organes, on peut nous prendre notre organe, on le sait. Donc, Est-ce qu'un anarchiste est recensé ? Est-ce que vous êtes recensé, par exemple ? Je ne peux pas mettre un tour. Donc, vous êtes pris de vote blanc. Si on sait la population, on sait qui ne s'est pas déplacé au champ. Un vote. Je voulais juste te dire une chose. Ah pardon, oui, excuse-moi. C'est juste pour rebondir, en fait, la personne, monsieur dit, dans un groupe, prendre une décision. Comment on fait ? Bon, facilement, on dit, c'est par le vote. Mais est-ce que la meilleure solution sera prise par le vote, par le groupe, ou par une personne ? Il y a des études qui montrent ça. En fait, on a tendance à trancher pour que ça satisfaire un maximum de monde, mais pas forcément la meilleure solution. On voit qu'il y a Jean-Luc Mélenchon, on est tous derrière lui, parce que c'est le garant de ce programme. Et en fait, là, une constituante à plusieurs, je ne sais pas, tirée au sort, est-ce que c'est les meilleures solutions qui seront à la fin, à la suite de quelque chose de concret ? On n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. Mais est-ce que à plusieurs, on trouve, le vote, il y a une majorité qui dit ça, mais c'est pas forcément la meilleure solution. D'accord. Voilà. Quelle autre solution on a ? Voilà, c'est pour ça. Mais voilà, maintenant, c'est ça. On a toujours une organisation par hiérarchie, d'un chef, plus haut, qui prend la décision. Il faut trancher. Mais c'est toujours difficile de trancher. Ouais. Moi, je suis responsable d'un petit service électrique. Je pose toujours la question à mes camarades, tu ferais comment ? Il y a toujours des têtes dures, il est toujours à l'inverse de ce que je ferais. Mais je prends toujours les informations. Et après, c'est à moi de trancher. Là, il faut être honnête. Et il faut trouver. Mais il ne faut pas ça, trancher dans le sens où je ne veux pas le froisser lui, je ne veux pas froisser lui, je ne veux pas froisser lui. Voilà ce que je voulais soumettre. Dans un vote, la solution finale n'est pas toujours celle qu'on attend. Voilà. Il y a deux choses. Que ce soit une bonne solution ou pas une bonne solution, ça n'en sait rien. Ah oui. Que ce soit la solution qu'on attend, celle qu'on n'attend pas, ça on sait. Oui. Mais pour la constituante, c'est pareil. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut proposer comme système, comme procédure, on appelle ça comme on veut. Personne n'est foutu de garantir le résultat qui va sortir de ça. Oui, c'est sûr, mais voilà, mais il y aura un résultat. Est-ce qu'on prend le risque ou pas, et sous quelle forme? Mais sous quelle forme, voilà. Mais pour un garant. Mais juste pour peut-être compléter, en fait, ce que je dis, c'est moi, dans l'absolu, ce n'est pas le vote qui me gêne. Le vote est une solution, ça c'est clair. Et surtout quand on ne peut pas se départager, quand on ne peut pas avoir l'unanimité. Ça c'est sûr que le vote, au bout d'un moment, il faut faire appel à la majorité. C'est évident. Mais le vote, c'est pas pareil que le vote obligatoire. C'est ça la grande différence. Je pourrais citer du Kant, vous allez voir, je vais aller loin, mais Kant disait un croyant qui veut prouver l'existence de Dieu s'empêche de croire, parce qu'il sait que Dieu existe. Et en ce sens, il arrête de croire. Je me demande finalement si on ne pourrait pas donner le même argument vis-à-vis du vote. C'est quelqu'un qui s'oblige, qui est obligé de voter, est-ce qu'il vote vraiment finalement ? Est-ce qu'il fait véritablement la démarche de, alors là pour le coup, rentrer dans la société que vous souhaitez ? C'est-à-dire véritablement avoir un acte citoyen, politique, etc. Si vous le forcez, est-ce que vous êtes sûr de son intention ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'engage véritablement ? Est-ce qu'on ne dévoie pas l'esprit du vote quand on l'oblige ? Moi, c'est vraiment ça. Ça, je comprends l'argument. Moi, à l'inverse, la société qui est refusée par cette personne a besoin d'une légitimité. Il faut bien qu'elle se la trouve. Donc, de toute façon, le débat, il n'y a pas de solution, à mon sens. Mais il faut bien, si X personnes ne veulent pas participer au débat sur le fonctionnement de la société, ça ne veut pas dire qu'elle s'exclut de la société, ça je ne suis pas d'accord avec ça, mais elle prive les autres d'une nécessité de légitimité pour l'ensemble du groupe qui reste. Représentatif. Donc, on ne peut pas empêcher le groupe qui reste de rechercher cette légitimité. Donc il le fera avec ou sans eux.
Mais pourquoi le rendre obligatoire? Ben, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Non, mais c'est ce que je dis. Pourquoi le rendre obligatoire? Pour que ce soit représentatif. C'est à 100% de d'avis, normalement, c'est représentatif. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de... Je ne vais pas prendre la parole tout le temps. Quelqu'un parlait tout à l'heure de dérogation. Mais dérogation, ça veut dire qu'il y a une règle qui a été fixée. Donc, si on veut déroger, il faut fixer la règle. Moi, à partir du moment où on dit que c'est obligatoire, je suis désolée, mais il y a comme une... Pas une sanction, mais c'est... voilà, quoi, obligé. Et le pays est... L'obligation, c'est vrai, quand c'est sur une consultation, c'est là qu'on consulte quelqu'un, on l'oblige à se définir. Sur une consultation, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez, les droits. On n'a pas le droit de consulter, ça c'est normal, il y a pas des règles pour une société, mais une obligation de définir dans une consultation, oui, c'est assez... voilà, c'est assez... Mettre blanc. Il y a blanc. Oui. Moi, je trouve que c'est ça, les heureusement, c'est... Par obligation quand même de nous obligation dans l'engagement. Ben non, mais moi, je suis libre. Voilà, je propose que... Alors, bon, on a commencé le travail que d'autres reprendront, parce que cette question, elle sera évidemment longuement débattue. Il faudra peut-être plus de 2 ans pour arriver au terme de l'exercice, et ils trouveront d'autres solutions que celles qu'on avait imaginées. Et en tout cas, on voit bien que l'exercice, il est passionnant, quoi. Hein, c'est un bel exercice. Et il y a des... Parmi mes camarades, il y en a qui ont fait des gâteaux, on va les partager. Partager un coup à boire et puis continuer à discuter entre nous. Et puis en tout cas, moi je vous dis merci d'avoir respecté, comme vous l'avez fait, les règles que j'avais proposées. Merci à vous tous. Merci. C'est tout à fait la même. J'en ai pas.